continuer sur notre petite BM. Ouais, c'est la voiture qu'on... Je sais pas si vous vous rappelez, la noire, là, je crois. Je crois que c'est la noire. Bah écoute, on va voir ce qu'il y a un petit peu, les modifications qu'on peut lui apporter à la voiture. Si on peut peut-être la tuner, bah tiens, pourquoi pas. Alors, attendez. C'est quoi, ça, comme magasin? C'est pas le magasin riche, ça? Ah, si, c'est ça. Ah merde! Oh putain! Voilà! Allez, go! On va lui acheter quelques vêtements assez classe. Un petit costard, voilà, comme on avait vu. Donc, le plus cher, c'est. Ils sont en haut, c'est celui-là. Je vais pas prendre celui-là, j'aime pas du tout. J'aime bien le noir. Bon, alors on prend une veste séparée, j'ai envie de dire. Attendez. Vas-y, on va faire ça notre sauce. Alors, on va prendre la veste. On pourrait la prendre comment? En gris? Comme ça là. Ouais, comme ça. Ça. Et on va prendre en pantalon. Ils sont où les pantalons? Vêtements de sport. Ils sont là, les pantalons, quoi. Costume. Vêtements décontractés. Ah non, bah non. Attendez, là, ils sont où, les pantalons, là? Les pantalones. Vêtements de sport. Bon, je voudrais savoir où sont les pantalons. Donc là, il y a les chaussures. Ouais, mais je voudrais bien savoir où sont les pantalons. Merci. Hein? Merci. Allô? Allô? Putain, ils sont où, ces pantalons de merde, là? Bonjour, je voudrais savoir où sont les pantalons. Peut-être c'est là. Hein? Bah non, là, c'est que les vestes. Là, ils sont où, les pantalons, là? Attendez, ils vendent que les... C'est quoi, cette merde? Attends, des pulls. Vêtements de sport, donc ça risque pas d'être là. Alors, attendez, vous allez peut-être me prendre pour un débile, mais... Non, mais sortez. Il n'y a pas de pantalon. Oh. Où sont les pantalonnes? Peut-être là. Non. Veste. Costume. Chemise. Non, là, c'est pas là. Costume, c'est peut-être là, non? Merde, j'ai acheté un truc que je vais sûrement pas m'en servir. Ah, la boulette. Et bah, ça fait bien chier. Ouais, bah écoutez, je vais prendre le. Putain, merde, alors d'accord. Ils vendent que le home, ils vendent pas le pantalon. Alors, vive l'utilité du truc, quoi. Ou alors, on pouvait pas changer le pantalon. Bon, bah tant pis, écoutez, c'est pas grave, ça me prend une tenue en plus. Allez, go! Ah bah attendez, faut vite que je regarde un petit peu où on en est. Bon, c'est... Allez, go, on va aller tuer cette putain de voiture de spoo. Ouais, faire un petit peu, voilà quoi, tu vois. En plus, on a pas mal de thunes, donc on va en profiter un peu. C'est quoi ça comme voiture? Ah non, c'est moche. Oh putain, merde, excuse-moi. Ah putain, dégage, t'as gagné, quête de merde là! Genre, il commence à l'insulter et tout, c'est... Oula, c'est quoi ça comme voiture? Attention, attention, surprise. Ah non, c'est les mêmes voitures que tout à l'heure. Putain, on croit ce que t'as. Ah oui, ils en ont. Il y a quoi comme voiture ici?
rien de spécial, et écoutez, on est parti. Oh, the will of my night. My night. Oh yeah. Je peux pas dire. On peut rien modifier. On peut juste modifier le châssis. Moteur, échappement en titane. Oh putain. Ah bah ceux-là je les ai mais sur mon autre voiture en fait. Capot. Klaxon, éclairage, plaque, peinture, aileron. Aileron. Suspension, transmission, turbo, fenêtre. Comment on fait pour... Comment on fait en fait pour enlever... Non, je pense pas que... Ou alors... Comment attendre? Comment on fait là pour remettre le tout au rond là? Ah d'accord, attendez, j'ai trouvé un truc pour aller plus vite, ok. Ah si, c'est bon. Ok. Ah bah je pensais pas qu'elle en avait en fait. Putain, ça défonce. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec, mais je sais pas. On peut pas énormément la tuner. C'est vrai que ça me plaît pas trop ça. Bon bah écoutez, on va aller voir sur le B là. On va directement faire une mission, on va pas se prendre la tête avec ça. J'y ferai en hors ligne, voilà, on va... C'est vrai que voilà, je pensais vraiment pouvoir vous montrer vraiment au niveau du tunage là, mais là, alors là sur la voiture clé d'un moment, je pensais vraiment qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec quoi, mais alors là pas du tout. Pas du tout. My night. My night. Oh yeah. Na. My life. Oh yeah. Ouais. Oh non, dis-moi pas que la mission est en haut. Pitié, dis-moi pas ça. Oh, je parie. Non, c'est pute. Non, mais ça peut pas être en haut. Pourquoi faire une mission en haut? C'est pas vide. Ça doit être là, là. Oh putain, faut monter en haut. Faut monter en haut en même temps, on va pas monter en bas, Zuzu, putain, mais. Oh, arrête de la sortir celle-là à chaque fois, là. C'est quoi ça comme voiture? Oulala, c'est quoi ça? Donne-moi ça. Vite! Qu'est-ce que c'est que cette voiture là? Overcheatée là. Dégage, salope. Juste ma bite. Oh, énorme. Vas-y, je pique ça, je prends ça. Moi. Ah, mais ça se trouve, je la perds. Bah ouais, je la perds. Sûrement si je me colle à la mission. Tant pis, c'est pas grave. Je sais pas du tout s'il y a des concessionnaires. Là. Je regarde. On a fait péter le pot d'échappement. Alors qu'est-ce qu'il y a de... Ah mais d'accord, en fait il y a l'entrée du bâtiment. Dans... Ok. Voilà. Allez go. Le FBI. Section criminelle. Ouais. Alors, allez voir Dave. Dave, j'arrive. Par contre, j'ai perdu mes lunettes. Ça, c'est quelque chose de pas cool. Parce que moi, je suis un homme lunettes. Je dois tout le temps porter mes lunettes sur moi. David. Oh, isn't this nice? You can probably move a double David. Sorry, guys. This part of the love is online. Brilliant! Steve hates me, though, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, I love it! I gotta remember to write that down. And to shoot you in the head, you mean dick. Andres, take the notes. You're magic. I should put it on my show. Have you seen my show?
You mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club? So, well done with our friend, Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, Cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before you close your fucking windpipe? The joke's not now, Pat. You will show me some respect. Maybe you could define team for me. Is that just the three of you? Or the greater FIP? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, you haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. Why don't you start with me, genius? You got it, pal. We have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a cracked out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You're my boy. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. So run along, kids. See, there you go, Dave. Let's go. Monter dans la voiture de Dave, ok. Pas très content, voilà, je veux dire. Il monte un peu les épaules, bon voilà quoi, tu vois. Tu sens vraiment que Michael là, il se sent plus. So what? So I bet federal ain't on the D, that's so. And we all like our federal government open, transparent. Except when closed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. C'est sa voiture à lui là? Oh, cet enfoiré. Ça va, elle est belle. Hein? Nice car. Taxpayers treating you right. Take a dip in the ocean of the sky. Je l'ai défoncé sa voiture. Je le sens trop. Oh, petit dérapage et tout à la Sylvester Stallone, mon gars, que j'ai fait là. Moi de Corzeille. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him, or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay. Mike, this ain't the best time. I'm kind of busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling. Putain. Comme dans tes clignotants, toi, espèce de trou du cul, là. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Oh, une bétonneuse. Clinton is going to be positioned across the street. Non, c'est pas une bétonneuse, c'est une... Oh, mais puis c'est quoi le camion là? Merde, attention, vous me direz bien dans les commentaires. Énorme. Ouais, j'ai trop de mémoire, c'est pas une bétonneuse. Non, c'est pas une bétonneuse. Une bétonnière? C'est une bétonneuse. Pfff, énorme. Oh là là, je suis fou. Oh putain! Control? Yeah, good luck controlling discreet Trevor. Now, I wonder how controllable and discreet. Ah, ça, fallait que ça arrive. Now, I wonder how controllable and discreet he'll be when he sees the guy who killed me and put Brad in jail. Maybe I'll hang back. Yeah, that might be a good idea. Allez, go, on est parti. Donc ouais, je pense que bien entendu hors caméra, j'essaierai de tuner un petit peu les véhicules, comme ça je vous y montrerai lorsque je ouais, finis. Non, il y a un hélicoptère. Yeah, ah, Trevor, il a changé d'habit. Hey T, enough with the faux political bullshit. Bah Mike aussi. Oh, les enfoirés, ils ont changé d'habit. Fine, you better take off.
Phil? Shit, I'm good. I ain't Bill. Whoa. Well, am I detecting some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen. If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Phil, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and I'll walk away from this thing clean. Got it? I got it. All right. When we do this, I'm gonna help us win Brad. Yeah. We'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. Oh merde, c'est un petit peu dommage au final, t'as vu, je parle comme ça. Genre. Au final, ouais, lorsqu'on habille un personnage, au fur et à mesure du temps, il change tout seul d'habit. Oh putain. Oh, il est trop stylé l'hélicoptère. Putain, c'est vachement sensible et c'est vachement mieux fait que dans l'ancien GTA au niveau du pilotage des hélicos, c'est vraiment un truc de fou. Tu sens que l'hélico il bouge un petit peu et tout. Je pense que ça doit être sûrement par rapport au vent, hein, je pense. Donc attendez, l'objectif il est par là. Ah, d'accord. Qu'on monte tout en haut. Là. We need to be further out from the center. Attendez, j'essaie de me mettre pile poil dessus, mais. You fuck around while I'm out there. I'll climb back up this rope. And strangle you with it. Yeah. Oh putain. Pas des jambes. Oh, des sans rappels, c'est juste énorme. Oh, il y a des gens là. Okay, here we go. C'est énorme. On descend, rappel, c'est juste épique. Oh putain. Regardez, on voit le mec. on nous voit là, regardez. Aïe, ça doit faire mal au dos. You think you're impenetrable? See how you feel with this is 18 inches deep inside. Get the lube. Actually, who the fuck is this? Terminate him! Close this problem right now! Personne ne bouge! Get me the safety team! Merde. Ah là, mais non, là, on les couvre au sniper. Oh, je les ai tous couverts là. Oh, ça défonce. Ouf, toi t'as pris cher. Oh, c'est juste énorme. Oh, ce jeu est énorme, les gens. Ah merde, faut que je change de perso. Attendez, hop, voilà. C'est bon.
Bon, là, on gère. Putain, il y a des missions de plus en plus folles et c'est ça qui est juste énorme, quoi. Oh putain, on va défoncer les hélicos. Allez. Oh putain, oui, je l'ai eu. Allez, il manque plus que les autres. Attention. Oh putain. Ces enfoirés, ils vont vite là. Ah, c'est bon, j'en ai eu un autre. Ah merde, faut que je change. Putain. The grass is always greener, walk a mile in my shoes. What's a $1 finish to $1 million move? Want more than just a cliche to get me through the day, but I get mad at myself 'cause I can't find the words to say. The grass is always greener, walk a mile in my shoes. What's a